Bienvenue sur notre chaîne YouTube pour notre culte en ligne. Bienvenue aux membres de Manage, aux membres de l'église de Hatt, aux membres de l'église de Colfontaine, aux membres de l'église de Uccle, aux membres de l'église d'Anderlecht. Et bienvenue aussi si vous êtes nouveau. Nous allons vivre un temps tout particulier ce matin où nous n'allons pas nous réunir physiquement, mais nous serons réunis via finalement les réseaux. Et ce matin, nous allons vivre trois temps particuliers. Le premier temps, ce sera un temps de louange amené par Alessandra. Le deuxième temps sera amené par le pasteur Albert, qui nous apportera une méditation. Et nous aurons en troisième temps Marie. Une monitrice d'école du dimanche qui apportera un petit enseignement pour les enfants. Et en attendant cela, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va prendre la Bible, le psaume 98, verset 1. Alors prenons la Bible ensemble, le psaume 98, verset 1. Je laisse un peu de temps, c'est important qu'on lise ensemble ce passage-là. Il est marqué, psaume 98, verset 1, « Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. » Car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. Et j'aime particulièrement de commencer ce culte en disant que nous sommes dans ses bras. Nous sommes dans ses bras et nous sommes sauvés et nous sommes appelés à vivre la victoire. Alors, même si c'est compliqué, même si nous vivons des temps difficiles, parfois pour certains, pour d'autres encore dans les moments encore plus durs aussi, sachez que l'Éternel tient tout entre ses mains et il nous invite à chanter en son honneur car il fait des merveilles. On ne voit pas, particulièrement aujourd'hui, parfois on se sent comme en difficulté, mais je vous assure, il prépare des choses merveilleuses. Alors je vous invite à prendre ce temps de louange que Alessandra va nous amener. Je vais prier et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et je vous invite aussi à éteindre votre téléphone, à enlever toute distraction, parce que je pense que nous devons, en tant que fils de Dieu, en tant que fille et fils de Dieu, lui donner toute l'honneur. Nous devons lui rendre gloire. Alors prions ensemble. Seigneur, je te remets ce temps de culte ce matin.
Et Seigneur, que nos cœurs puissent être disposés. Conduis-nous, dirige-nous. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu veux nous dire ce matin. Et Seigneur, je te demande que nos cœurs puissent être conduits par toi. Seigneur, si nous avons besoin de paix, Seigneur, inonde-nous pendant la louange de ta paix. Si nous avons besoin, Seigneur, de joie, inonde-nous de ta joie. Si nous avons besoin d'assurance, inonde-nous de ton assurance. Père, mais nous avons besoin de toi. Seigneur, viens vraiment vivre, Seigneur, dans notre louange. Viens vivre, Seigneur, à travers la prédication, à travers tout ce qui va se passer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons maintenant laisser Alessandra nous amener dans ce temps de louange. Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Ça me fait vraiment plaisir de tous vous avoir à la maison. Vous êtes dans mon salon, alors bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien. Avant de passer par ce temps de louange, j'aimerais vous laisser un passage qui se trouve dans Josué 6, lors de la chute des murailles de Jéricho. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « poussez des cris ». Alors vous pousserez des cris. » Et c'est incroyable de voir comme le peuple d'Israël, pendant 7 jours, il a fait le tour, et il n'y a pas un mot qui est sorti de leur bouche. Ils se sont tus, ils ont obéi, il n'y a pas eu un seul cri. Et c'est à la 7e fois du 7e jour, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Poussez poussez des cris de joie, poussez des cris de reconnaissance, car l'Éternel vous a déjà livré la ville. » Et ce matin, j'aimerais te dire, pousse des cris de joie, pousse des cris de reconnaissance, car l'Éternel t'a déjà livré la bataille. L'Éternel t'a déjà donné la victoire. Comment ? Tout simplement par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Nous n'avons rien fait, c'est lui qui a tout accompli. Alors pousse des cris vers le Seigneur ce matin et que tous ensemble nous puissions faire monter une louange qui lui est due. Et comme premier chant, j'ai choisi ce chant qui dit « Je vois le pays promis, je le vois, il est là. Le chemin est douloureux, je n'y suis pas encore, mais la victoire est assurée. Car moi, force, elle est dans son amour. » Et que nous puissions vraiment chanter ça comme un hymne tous ensemble. S'élève dans mon âme comme les murs de
que je veux m'accrocher, Seigneur. Il y a tout qui change ici. On ne comprend plus rien. Tout est flou. Mais Seigneur, je veux mettre mon espoir en toi. Car toi, tu ne changes pas. Merci, Seigneur, pour ce roc inébranlable. Merci, Seigneur. Et sois le rocher de ma vie, Seigneur. Je vois le pays promis par un chemin douloureux. La victoire est assurée. Ma force est dans ton amour. Quand mes peurs s'élèvent dans mon âme, comme les murs de Jéricho. Fragile en ce moment, même si c'est difficile, je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'élever. Je veux glorifier ton nom, Seigneur. Je viens t'offrir.
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Sois élevé, Seigneur. En l'honneur de
donné son nom. À son nom, les monts vacillent et s'effondrent. À son nom, les flochettes s'agitent et les mers grondent. À son nom, les anges s'inclinent. À son nom, la maladie disparaît. À son nom, les on voit des miracles. À son nom, les aveugles voient. Alors proclamez son nom. Proclamez son nom sur la maladie. Proclamez son nom sur la tristesse. Proclamez son nom sur le deuil. Et il viendra vous consoler. Proclamez son nom sur les difficultés. Proclamez son nom sur votre faiblesse. Proclamez son nom sur vos finances. Proclamez son nom. Gloire remplie.
laisser la place au prédicateur, j'aimerais vous laisser ce chant qui me fait beaucoup de bien. Et je vous invite vraiment, à, pendant ce chant, à demander au Seigneur de vous entourer de ses bras d'amour, de vous consoler pendant ces périodes qui sont tristes pour certains, qui sont difficiles pour d'autres, qui sont faibles. Mais le Jésus est venu pour relever le faible. Au-delà des océans, ne permets pas que ma raison
viennent déformer ce que tu as à me dire ce matin, Seigneur, mais que je puisse recevoir ton message, Jésus. Donne-moi ton Saint-Esprit, Seigneur, qui m'aidera à discerner, Seigneur, ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Qu'il est doux pour mes frères et sœurs de demeurer en ta présence. Tu es merveilleux Seigneur. J'espère vous revoir tous très bientôt et en pleine forme. Que Dieu vous bénisse. C'est la troisième fois que nos églises organisent un culte de confinement et j'aimerais apporter toutes mes salutations à tous les chrétiens qui nous suivent, que ce soit à Hatte, à Colfontaine, à Uccle, à Anderlecht ou Manache. Nous voulons vous bénir et prier que Dieu puisse être avec vous dans ces temps spéciaux, dans ces temps uniques. C'est un temps de changement. Il y a beaucoup de choses qui changent et la société même est en pleine interrogation. Elle se cherche, elle ne sait pas comment trouver de solution. Oui, l'épidémie, la pandémie du Covid-19 est une réalité qui touche chacun, qui nous touche aussi en tant qu'Église. La maladie, elle, ne fait pas de distinction. Qu'on soit riche, pauvre, connu, pas connu, elle emporte malheureusement beaucoup de personnes. Et c'est pour cela que je profite de ce message aussi pour apporter toute ma sympathie et présenter toutes mes condoléances aux familles qui ont vécu des décès durant ces derniers jours. Et je pense aussi à tous ceux qui luttent encore actuellement contre ce virus et qui sont dans des situations, j'allais dire parfois désespérantes. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à voir aussi que lui reste Dieu et qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes dans un temps où il y a plein d'explications qui sont données. J'ai entendu toutes sortes de théories, des théories de complot, des théories de catastrophe, des théories apocalyptiques. Et les gens viennent avec ces théories en disant « mais voilà ce qui se passe ». Et ça c'est le problème parce que je pense que dans une situation comme celle-ci, et c'était ma prière il y a plus de 3 semaines, c'est de dire « Seigneur, pourquoi cela arrive? Quel est le sens de ce que nous vivons ?» Et ce sens va orienter notre recherche. J'ai lu que certains ont trouvé dans l'Apocalypse les passages qui montrent que des grands fléaux viendront et que le tiers de la population va mourir. Et je me suis dit « Non, nous ne sommes pas encore là. Non, le temps n'est pas encore à la colère de Dieu » contre les nations, parce que pour le moment, cette maladie touche le bon et le méchant. Elle touche, j'allais dire, tous les habitants de la terre. Et si on veut trouver un sens ou un parallèle, on pourrait éventuellement trouver dans Matthieu 24 la citation où Jésus dit qu'il y aura à la fin des temps des pestes. Mais c'est un général très vague. Et je crois qu'il y a d'autres catastrophes naturelles comme les tsunamis qui ont fait en un jour plus de morts que la maladie en a fait en 2-3 mois. Oui, nous vivons des temps et nous avons besoin de comprendre le sens de ce que nous vivons.
Et ce que je peux dire alors, c'est que et Dieu lui-même veut nous montrer quel est le signe derrière cette maladie. C'est assez étonnant qu'au début de l'année, j'avais prêché tout particulièrement sur le psaume 40, verset 10, où il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » C'était le premier dimanche de l'année. Et j'étais loin à m'imaginer que Dieu allait nous forcer à nous arrêter, forcer à stopper même nos activités, stopper même toutes les démarches que nous faisons pour son règne. Et l'Église allait être comme obligée de prendre du temps pour considérer une chose bien précise. Qui est Dieu? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a arrêtés. Il y a un message clair. Dieu désire que nous découvrions qu'il est le Dieu des nations, le Dieu de la terre. Lorsque des expressions comme les nations sont utilisées, c'est souvent pour désigner tous les mouvements politiques, économiques, qui sont dus aux nations. Et lorsque ici, il est dit qu'il domine sur la terre, c'est souvent pour désigner toutes les catastrophes, toutes les perturbations, que ce soit climatiques ou d'une maladie comme nous connaissons. Dieu est le seul vrai Dieu. Cette maladie doit nous le rappeler d'une manière évidente. Cette maladie va nous rappeler que c'est lui qui domine sur les nations. C'est lui qui domine sur la terre. Et nous pouvons vraiment regarder à lui comme celui qui règne vraiment. Il y a quelques jours, j'ai découvert un challenge sur les réseaux sociaux. Et c'est en anglais, malheureusement, mais c'est un chanteur qui avait repris le chant qui dit que Dieu tient la terre dans ses mains. Et puis, suite à lui, il y a eu toute une autre série. Il y a eu comme ça des dizaines et des dizaines de chanteurs qui ont chanté cette réalité. Il tient la terre, il tient la vie dans ses mains. Oh, qu'il est bon de nous rappeler, en ces temps particuliers, que Dieu tient la terre entre ses mains. Cette maladie nous rappelle que Dieu reste Dieu, que Dieu n'est pas à notre service. Nous n'avons pas choisi la vie chrétienne pour être servis et débordés de bénédictions et d'être en dehors de tout ce que le monde vit. Dieu reste Dieu. Dieu n'est pas notre garantie vie heureuse. Si nous mettons une pièce, nous allons avoir la bonne récompense. Dieu est Dieu. Et les épreuves font partie de tout ce qu'il a prévu pour nous façonner et pour nous rapprocher de lui. Alors après 3 semaines de confinement, d'épreuves, la question n'a fait que prendre plus d'ampleur. Nous avons prié avec foi. Nous avons vraiment donné nos vies au Seigneur pour qu'il puisse agir dans la vie de certains. Mais certains sont partis. Heureusement, pour la plupart dans nos églises, ils ont été rejoindre le Seigneur et cela est une consolation. Paul en parle d'ailleurs. Il dit dans ce passage que le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son d'une trompette, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. La deuxième parole que j'ai reçue, c'était bien celle-là. Dans Isaïe 40, il est dit « Consolez mon peuple, consolez mon peuple ».
au lieu de voir une période de colère de Dieu, j'ai été pris par cette parole où Dieu désire, dans ces temps particuliers, exprimer sa compassion et sa consolation envers ses enfants et envers ce monde. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » La première chose que nous pouvons dire dans ce passage, c'est que Paul va nous présenter une louange extraordinaire en disant « Béni soit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute consolation. » C'est extraordinaire de savoir que notre Papa a tellement de tendresse, a tellement d'amour, a tellement de consolation en réserve qu'il en a assez pour toutes les épreuves que nous pouvons passer et traverser. Il n'existe donc aucune souffrance qui soit trop aiguë, aucune peine qui soit trop prononcée, aucune tristesse trop profonde, pour que la consolation de Dieu ne puisse venir et nous toucher. J'aime beaucoup ce vieux chant qui parle du fleuve de Dieu. Il est un fleuve qui sort du cœur de Dieu, et c'est le fleuve de l'amour de Dieu. Quelle que soit ta tristesse, quelle que soit ton affliction, quelle que soit la profondeur de ces choses, le courant qui sort du fleuve de Dieu peut venir et atteindre le plus bas des profondeurs pour venir te rafraîchir et te consoler. Le fleuve de Dieu est un fleuve d'amour qui nous inonde. Si Dieu est le Dieu de toute consolation, il est bon aussi de se rappeler que cette consolation ne peut vraiment être efficace et germer que sur un sol bien précis qui sera le sol de l'épreuve, le sol de la souffrance, le sol de l'affliction. Et Dieu qui contrôle toutes choses et qui fait que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime a prévu que dans ces moments d'affliction, nous puissions recevoir une révélation particulière et nouvelle de l'amour et de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Si Paul proclame que notre Père céleste est le Dieu de toute consolation, c'est aussi pour nous rappeler que il n'y a pas de vraie consolation en dehors de notre Seigneur. On ne peut la trouver ailleurs, ni dans une philosophie, ni dans un système de pensée positive, parce que la véritable consolation est liée à la présence de notre Créateur, et que seule son intimité peut venir combler les vides laissés par les afflictions et les blessures que nous avons dû subir. Comme lorsqu'un muscle est déchiré, tout l'organisme va réagir et venir mettre et coller des plaquettes pour empêcher la vie de partir. De même, lorsqu'il y a des blessures dans nos vies, lorsqu'il y a des déchirures, des séparations, ce n'est que la présence de Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même qui vient mettre à l'endroit où la blessure a été faite, afin d'éviter que notre joie et notre vie soient déversées inutilement.
Il est intéressant de noter que le mot consolation vient d'un mot qu'on trouve à 28 occasions dans l'épître de Corinthiens. C'est le sujet maître. Paul voit une église qui a besoin de consolation. Voit une église qui a perdu le sens de la proximité, de l'intimité avec Dieu. Et une église qui vit dans une tristesse au-delà de la normale. Et il vient. Le terme utilisé par consolation, c'est le terme paraclésis, qui vient bien sûr du terme paraclé, utilisé par Jésus pour désigner la personne même du Saint-Esprit. Et il vous enverra un autre consolateur. Jésus ne pouvait plus être ce consolateur qui allait être envoyé dans chaque cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui reçoit maintenant cette fonction. Et lorsque on relit alors le verset que nous avons lu et qui parle de ce Dieu, ce Père de toute miséricorde et le Dieu de toute consolation, il est évident que dans ce passage, nous avons une démonstration de l'action de Dieu au travers de la Trinité. Il y a le Père créateur qui vient avec sa miséricorde. Il y a le Fils qui s'est donné pour que nous puissions recevoir la vie au travers de son sacrifice. Et il y a l'Esprit qui vient et qui rend pour nous cette consolation vivante, rend pour nous cette consolation efficace. Et il vient comme le consolateur, comme celui qui peut être là à côté de nous et faire son rôle afin de guérir nos cœurs, afin de toucher et de restaurer nos cœurs meurtris. Que le Seigneur nous bénisse dans cette démarche. Ensuite, s'il est dit qu'il est le Dieu de toute consolation, le verset continue en disant que Dieu est celui qui nous console de toutes nos afflictions. Il n'y a donc pas d'affliction et d'épreuve qui se situe en dehors du champ d'action de son amour pour nous. On ne peut pas trouver une épreuve qui soit trop dure pour que l'amour de Dieu ne puisse la toucher. Et c'est Paul déjà dans Romains 8 qui disait « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Paul ici décrit toute une série d'épreuves, toute une série de situations. Et il dit, mais est-ce que ce serait la tribulation? Est-ce la faim, la persécution, la mort? Non. Toutes ces choses, et c'est un absolu en quelque sorte, tout l'ensemble de ces afflictions ne pourront jamais déborder la source de l'amour que Dieu veut nous donner. Je pourrais dire en réponse, si Paul parle de toutes les afflictions, nous pouvons répondre que rien ne pourra échapper à l'amour de Dieu dans nos vies. Aucune séparation, aucun virus, aucune situation désespérante. Et ce matin, Dieu veut toucher ton cœur d'une manière particulière. C'est ce qu'il dit dans la suite du verset que nous avons lu tout à l'heure. Il dit « afin que cette consolation
dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Dieu désire que tu sois partie prenante avec sa consolation. Vous allez me dire, mais c'est normal. Dieu est amour, il nous aime. Pourquoi est-ce que ça semble si difficile? Pourquoi Paul insiste ici pour dire, mais oui, mais vous pouvez avoir part à cet amour? Parce que Paul connaît le cœur de l'homme. Parce que Paul connaît notre côté rebelle. Et les conséquences de la chute de l'homme. Il fait que l'homme a mis un fossé entre Dieu et lui. Cet amour qui était là pour lui, l'homme l'a rejeté. Et c'est donc pas si naturel d'être l'objet de l'amour de Dieu. Il a fallu que Jésus donne sa vie pour cela. Il a fallu qu'il vienne vivre parmi nous, qu'il offre sa vie, qu'il meure sur la croix et qu'il triomphe sur la mort, sur toutes les oppositions et toutes les afflictions. C'est pour ça que il y a un miracle lorsque nous arrivons à recevoir cet amour de Dieu. Et le plus grand miracle, c'est que Dieu n'attend pas que nous soyons prêts ou soyons parfaits pour nous donner cet amour. Il l'offre même à des créatures aussi viles, aussi perdues, aussi égoïstes et égocentriques que nous. Oui, que le message de cette période que nous vivions nous enseigne vraiment à nous confier encore plus pleinement dans la grâce de Dieu. J'étais beaucoup frappé cette semaine par le témoignage d'un médecin de la région de Lombardie en Italie. Ce médecin travaille dans l'hôpital et recevait une quantité innombrable de patients. Il dit que par sa formation, il était athée et que pour lui, la science allait répondre à toutes ces questions. Mais avec la crise du Covid-19, les malades sont arrivés. Ils s'épuisaient jusqu'au jour où un pasteur de 75 ans a été hospitalisé pour des difficultés respiratoires et lui-même a commencé à les prier pour chacun des patients. Il a ouvert sa Bible, il a lu des versets et il a proclamé des passages d'espérance, des passages qui ramenaient la paix chez celui qui les entendait. Et au début, les médecins n'ont pas fait attention, mais lorsqu'ils avaient 5 minutes, ils ont commencé à pointer l'oreille, à écouter. Et petit à petit, cette paix que seul Dieu peut donner a commencé à descendre dans leur cœur. Et lorsque ce pasteur est décédé, quelques jours plus tard, ils ont senti un vide, mais ils ont aussi senti qu'il était venu là pour apporter cette paix extraordinaire, cette consolation, cet amour de Dieu. Oui, nous ne sommes pas dans une période de jugement. Dieu opère encore de grandes choses. Dieu vient et veut démontrer qu'il est ce Dieu d'amour, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre. Il est le seul qui puisse apporter la joie et la paix dans la détresse. Dieu nous invite à voir en lui la source de toute consolation. La souffrance a toujours des effets sur nos vies. Elle peut nous éloigner de Dieu, mais elle peut aussi nous enseigner à revenir à lui comme Job l'a vécu. Elle peut nous enseigner que nous devons absolument nous confier en Dieu, notre Créateur. Elle peut nous enseigner de nous arrêter, d'arrêter de nous confier dans ce que les hommes nous présentent et de nous confier plus que en lui, celui qui nous donne la vie et la vraie vie. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse.
Et puis, la souffrance, aussi bizarre que cela paraisse, a aussi ce rôle de nous faire goûter la vraie paix, la vraie joie. Vous savez, on est souvent dans un schéma de comparaison. Mais si vous ne connaissez jamais de contradiction, vous ne connaîtrez jamais la joie de trouver une solution. La souffrance est utile pour que nous puissions goûter à la vraie paix que Dieu nous a. Et puis j'arrive au dernier point. Lorsque Paul parle dans Corinthiens, il dit ensuite, si nous avons été l'objet de la part de Dieu de la consolation, nous pourrons consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. C'est le privilège de ceux qui ont connu cette consolation, ceux qui ont connu cette intimité avec leur Créateur, cette intimité envers leur Sauveur, cette intimité qui vient mettre un baume sur mon cœur, qui vient profondément me restaurer dans ma condition d'enfant de Dieu et simplement de dépendant à l'amour de Dieu. Et le plus grand avantage, c'est que lorsque nous vivons cela, alors nous pouvons le partager avec d'autres. Alors nous pouvons être source de consolation. Nous pouvons devenir ceux qui, comme Jésus et comme le Saint-Esprit, deviennent des consolateurs à leur tour. Nous avons cette capacité de comprendre, de saisir que le chemin d'accompagnement n'est pas fait, j'allais dire, de paroles qui s'adressent à la tête, mais des paroles qui s'adressent au cœur. Dans Ésaïe 40, il est dit « Je parlerai à leur cœur ». La véritable consolation vient du fait que nous apprenons à parler au cœur de ceux qui ont besoin. Parler sans reproche, sans écraser la personne, mais en voulant la relever, en voulant l'aider à traverser sa souffrance pour trouver la paix et la joie que Dieu nous offre. Celui qui n'a pas souffert n'a pas expérimenté cette puissance de la grâce. Il a fallu que Paul passe par des moments de grande faiblesse pour que Dieu lui dise « Ma grâce te suffit, car c'est dans ta faiblesse que ma force va s'accomplir. » Nous sommes dans une période unique. Voilà 45 ans cette année que je suis devenu chrétien. Jamais je n'ai vu une église avec autant de souffrances, avec autant de deuil en quelques jours. Et cela a affecté mon cœur. Christiane et moi, nous avons perdu un oncle en France qui s'était rendu à la porte ouverte pour la semaine de prière. C'est une souffrance, une séparation, une affliction dans nos cœurs qui amène une tristesse qui est légitime. Jésus lui-même, lorsqu'il arrive et qu'il voit Lazare dans le tombeau, il est dit qu'il pleura. Ce petit verset qui a une grande portée pour nous montrer à la fois l'humanité de Jésus, mais à la fois sa divinité. Jésus pleura. Oui, nous avons des larmes pour ceux qui sont partis. Nous n'avons pas pourquoi, nous n'avons pas des réponses. Et à cela s'ajoute tout ce combat encore de ceux qui passent par l'épreuve de la maladie. Mais Dieu nous appelle à nous arrêter. Dieu nous appelle à goûter à sa consolation. Dieu nous appelle à être des signes de cette consolation dans ce monde. Et je prie pour que Dieu puisse nous donner à chacun d'être là où il est,
d'avoir un cœur qui a traversé cette souffrance de la perte d'un ami, d'un être cher, pour pouvoir aider les autres à le vivre aussi. Je vais prier le Seigneur et je vais lui demander d'être celui qui nous touche particulièrement ce matin. Seigneur, je te prie parce que nous sommes dans une situation où nous avons besoin de toi. Connais les familles endeuillées, connais les familles, les amis qui sont partis et qui nous laissent ce vide, cette absence. Et Seigneur, tu vois la souffrance que cela amène dans nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de ta consolation ce matin. Et là où chacun est, à la maison, dans ce confinement, je te demande de venir. Viens, Saint-Esprit. Viens, par ton amour, mettre ta main et ton baume sur chaque blessure, sur chaque partie douloureuse de nos cœurs, afin de stopper toute l'hémorragie et de stopper, Seigneur, cet afflux de tristesse qui veut nous détruire. Merci, Père. Tu nous fais goûter que tu es le Dieu de toute consolation et qu'il n'y a aucune circonstance, aucune épreuve qui est trop forte pour ton amour. Viens, Seigneur. Touche maintenant. Viens étendre cet amour et remplir nos cœurs par ton esprit de cet amour de Dieu, du Dieu vivant. Permets de faire de nous des instruments de paix, des instruments de consolation, afin de pouvoir aussi à notre tour consoler ceux qui ont besoin de vivre cette consolation. Accompagne-nous, Seigneur. Restaure-nous, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, notre culte touche à sa fin. Pensons à ceux qui souffrent, pensons à ceux qui sont isolés aussi. Je vous annonçais quelques décès, malheureusement. Nous pensons à la famille de Claudine, une fidèle de l'église de Manage qui est décédée mardi dernier. Nous pensons aussi à la famille de Chetina, qui est une fidèle de l'église d'Anderlecht, qui est décédée mercredi matin. Pensons aussi aux familles qui ont perdu des proches, qui ne côtoient pas forcément une de nos églises, une maman, un papa, une femme, un mari, voilà, un oncle, une tante, un ami, une amie. Soutenons-les, mes amis, dans la prière. Mais pas seulement, entourons-les par des messages, des marques d'attention. Ce n'est pas évident de perdre un proche, mais c'est encore plus difficile lorsque nous ne pouvons pas les prendre dans nos bras pour les réconforter. Alors, essayons de les réconforter comme on le peut. Nous pensons aussi à ceux qui fréquentent nos églises et qui sont hospitalisés, parfois dans un état grave, qui sont confinés aussi. Pensons à ceux qui souffrent. Soyons des consolateurs, soyons des distributeurs d'amour autour de nous. Et laissons le Saint-Esprit nous utiliser et consoler aussi nos cœurs. On va prendre un temps de prière ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, nous te remettons vraiment toutes ces personnes qui souffrent, ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui souffrent là où ils sont, Père. Je te demande de les entourer de tes bras d'amour. Merci Seigneur pour ce culte de ce matin. Merci Seigneur de nous encourager encore à avoir les yeux fixés sur toi. À toi seul la gloire. Amen. Voilà. Juste pour vous dire aussi que même si votre église est fermée physiquement, l'église est encore là, l'église est présente et nous sommes l'église et personne ne peut éteindre une église. Mais même si l'église est fermée physiquement, pensez aussi aux offrandes par virement. On a besoin, votre église a besoin de rentrée d'argent. Et si vous n'avez pas le numéro de compte de votre église, n'hésitez pas à contacter votre pasteur. Nous nous retrouvons donc dimanche prochain à 10h. Et en attendant, je vous laisse avec Marie, la monitrice d'école du dimanche, pour un temps spécial pour les enfants. Soyez bénis et bonne semaine à tous. Bonjour les enfants, c'est Zoé. Que je suis contente de vous retrouver ce matin pour étudier ensemble une histoire sur Jésus, sur Dieu et pour découvrir surtout comment cette histoire
peut parler à notre cœur. Ce dimanche, nous allons tout d'abord essayer de mémoriser ensemble un verset de la Bible. Ce verset reviendra plusieurs fois pendant la leçon. Soyez attentifs et essayez d'apprendre le verset avec moi. Le voici. Vous pouvez lire chez vous à haute voix. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Je n'ai rien entendu. On recommence un peu plus fort. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Bravo! Maintenant, nous pouvons rejoindre Marie pour la leçon. À tout à l'heure, les amis! Bonjour les enfants. Je vois que vous avez déjà très bien travaillé avec Zoé pour apprendre le superbe verset du jour. Et pendant cette leçon, à chaque fois que je lèverai l'index comme ceci, vous reprendrez ce verset avec moi, ok? Alors on teste une fois pour du beurre. Attention! Car rien n'est impossible à Dieu. Parfait! L'histoire d'aujourd'hui parle d'un miracle que Jésus a fait pendant qu'il vivait ici sur Terre il y a 2000 ans. Tout d'abord, savez-vous ce qu'est un miracle, les enfants? Un miracle, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, de merveilleux, qui ne peut pas être expliqué et qui ne peut être accompli par personne, ni par toi, ni par moi, mais seulement par Dieu, par Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Bravo! Le miracle que nous allons découvrir aujourd'hui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, au chapitre 6. Ici, on retrouve Jésus avec une immense foule autour de lui, qui le suit, plein de monde. Sur ce dessin, on ne voit que la première rangée de personnes, mais il y avait ce jour-là, autour de Jésus, plus de 5000 personnes. Vous imaginez un peu ça? À votre avis, pourquoi y avait-il autant de personnes autour de Jésus? Eh bien, figurez-vous que Jésus vient de commencer à dévoiler aux gens qu'il est en fait Dieu. Et pour cela, il a commencé à guérir des malades. Car rien n'est impossible à Dieu. Très bien. Waouh, guérir des malades, c'est un miracle de Jésus trop génial! Alors une première personne, malade, est venue auprès de Jésus. Et Jésus l'a miraculeusement guérie. Elle était tellement joyeuse d'être guérie qu'elle est allée le dire à ses amis, qui eux-mêmes l'ont répété à leurs amis. Et tous les malades ont commencé à accourir vers Jésus pour être guéris. Vous imaginez un peu la scène? Jésus guérissait chaque personne qui se présentait à lui. Des enfants aussi, bien sûr. Regardez ici le petit garçon. Peu importe leur maladie, Jésus les guérissait. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, pour Jésus, aucune maladie n'est trop grave. Même s'il n'existe encore aucun médicament contre cette maladie, Jésus peut la guérir. Ce jour-là, ça fait déjà longtemps que les gens, la foule, suivent Jésus. Et tous ces gens se retrouvent dans un lieu désert, loin des villes, loin des magasins. Les gens sont fatigués et surtout les gens commencent à avoir faim. Ils ont très faim. Regardez sur ce dessin, le petit garçon qui dit à sa maman « Maman, j'ai faim, je veux quelque chose à manger !» Quand Jésus remarque ça, il se tourne vers ses amis, ses disciples, et il leur dit « Les gens ont faim, donnez-leur à manger !» Alors les amis, ils veulent obéir à Jésus, mais comment faire? En effet, ils sont loin de tout et personne n'a emporté de nourriture avec lui. Alors, la Bible ne le dit pas, mais moi, je pense que les disciples, ils se sont dit « Oh là là, il est tombé sur sa tête ou quoi, Jésus? Pourquoi il nous demande une chose pareille? Il voit tout de même bien que c'est impossible !»
Est-ce que Jésus est tombé sur sa tête, les enfants? Non. Moi, je pense comme vous. Je pense aussi que Jésus savait très bien ce qu'il faisait en demandant à ses amis de nourrir des gens. Il disait ça, en fait, pour apprendre à ses disciples une leçon. Laquelle, à votre avis? Il voulait que ses amis réalisent que sans lui, sans Jésus, dans cette situation impossible, eh bien, ils ne peuvent rien faire. Jésus voulait que ses amis réalisent qu'ils devaient compter sur lui, se tourner vers lui seul pour résoudre cette situation impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors bien sûr, quand Jésus a dit à ses amis de nourrir les gens, ils ont quand même commencé à chercher des solutions par eux-mêmes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les pauvres. Ils ont commencé à crier dans la foule. « Est-ce que quelqu'un a de la nourriture ?» Je répète, « Est-ce que quelqu'un a de la nourriture ?» Et après un long moment de recherche, Pierre, un des amis de Jésus, revient vers Jésus avec un petit garçon, probablement de ton âge, qui, lui, prévoyant, a emporté son pique-nique. Dans son panier se trouvent 5 pains et 2 poissons, juste assez pour nourrir 2 personnes. Alors Pierre dit à Jésus, « Voici Jésus, un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais que peut-on bien faire avec si peu pour nourrir autant de gens? Nous sommes plus de 5000 personnes. » Alors, on demande au petit garçon, « Que veux-tu faire de ton pique-nique ?» Et le petit garçon répond, « Je le donne à Jésus. » Il aurait très bien pu le garder pour lui, son repas, ou bien le partager avec son meilleur ami, ou même le donner à quelqu'un d'autre qui aurait peut-être pu aider. Mais ce petit garçon, au-dedans de lui, dans son cœur, je pense qu'il sait très bien que seul Jésus peut aider dans ce grand problème. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors il prend la bonne décision, le peu qu'il a, il le donne, il le confie à Jésus. Avez-vous remarqué, les enfants, qu'en fait Jésus, eh bien pendant que les disciples y cherchent des solutions, lui, il attend. Il attend qu'on lui demande de l'aide et qu'on lui apporte ce qu'on a avant d'agir. Oui, parce que maintenant que les disciples ont réalisé qu'ils ne peuvent rien faire sans lui, maintenant que le petit garçon a donné le peu qu'il avait avec confiance à Jésus, maintenant Jésus va agir. Maintenant Jésus va faire le miracle. Car rien n'est impossible à Dieu. Jésus va prier. Jésus va remercier Dieu pour ses 5 petits pains et ses 3 poissons. Et tout d'un coup, les poissons et les pains vont commencer à se multiplier. Il va y en avoir des kilos et des kilos. Les disciples vont faire asseoir tout le monde dans l'herbe, par groupe, et vont distribuer la nourriture. Tous les gens, les milliers de personnes, vont manger à leur faim. Et quand tout le monde aura mangé, il restera encore 12 corbeilles pleines de nourriture qu'on va pouvoir récupérer pour plus tard. Alors les enfants, que peut-on apprendre de cette leçon? 3 choses. La première, c'est notre verset. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Ce qui est impossible pour nous, c'est toujours possible pour Dieu. Deuxième chose, Jésus souhaite qu'on vienne à lui, qu'on lui demande son aide. Comment peut-on faire ça aujourd'hui? En priant. Troisième chose, Jésus veut que nous fassions notre part. Nous faisons d'abord notre part possible et puis Dieu, il fait sa part impossible. Oui, dans notre histoire, Jésus aurait très bien pu voir le problème tout seul, le résoudre tout seul. Il aurait très bien pu dire une seule parole et faire apparaître un banquet de nourriture sans l'aide de personne. Mais Dieu veut que nous fassions notre part. Jésus a choisi d'attendre l'action du petit garçon qui est venu à lui apporter ce qu'il avait avant de faire le miracle.
Alors tout à l'heure, les enfants, en fin de leçon, nous allons retrouver Zoé pour prier ensemble. Mais avant cela, je veux vous proposer une activité sur le thème de la leçon. Nous avons vu que Jésus avait multiplié les pains, alors je vous invite à faire chez vous, aujourd'hui, pour le goûter, avec l'aide de votre papa ou de votre maman, du pain perdu. Alors, pour notre recette, il nous faut du pain, des œufs, du lait, du beurre ou de l'huile, du sucre ou de la confiture, ce que vous voulez mettre sur votre pain perdu, deux assiettes creuses, une poêle et un peu de matériel comme ça, une fourchette, etc. Oups. Alors, première chose à faire, se laver les mains. Mes mains sont déjà propres, mais je vais me les laver vite fait quand même. Vous à la maison, les enfants, je compte sur vous pour bien vous laver les mains. Alors, je mets un peu de lait dans mon assiette creuse. Et voilà, j'arrive à l'ouvrir. Hop. Je mets un œuf dans ma deuxième assiette creuse. Zoup. Très bien. Je mélange mon œuf avec une fourchette. C'est très simple, vous allez voir, et c'est délicieux. Hop, comme ceci. Ensuite, je mets de l'huile ou du beurre dans ma poêle. Là, je fais semblant, mais bon, voilà. Je prends mon pain, hop, je le trempe tout d'abord dans le lait. Un peu dans un sens, un peu dans l'autre sens. Ok. Après ça, je le trempe dans l'œuf battu. Hop, hop, un peu dans un sens, un peu dans l'autre sens. Et je le pose dans ma poêle pour le cuire. Hop, un peu d'un côté, un peu de l'autre. Ensuite, quand c'est prêt, je le déguste avec du sucre, de la confiture, de la cassonade, du chocolat, ce que vous voulez. Donc voilà. C'était la leçon. Nous allons retrouver maintenant Zoé qui va nous dire ce qu'elle a retenu de la leçon et qui va prier avec vous les enfants pour terminer. Bisous et à la semaine prochaine. Merci Marie pour cette belle leçon. Qu'il est merveilleux de connaître notre Papa dans le ciel, le Dieu de l'impossible et de pouvoir venir à lui avec nos soucis, avec nos situations de chaque jour. J'aimerais prier avec vous. Je vous invite à prier, à penser avec moi à une chose, à une situation dans laquelle vous avez besoin de Dieu. On est d'accord? On y va? Vous voulez réfléchir un petit moment? Alors, on réfléchit à une situation pour laquelle nous voulons prier tous ensemble. Et maintenant que vous avez bien réfléchi, vous avez déjà fait votre part et maintenant, vous vous attendez à Dieu, à ce que Dieu fasse sa partie, car rien n'est impossible à Dieu. Nous allons fermer les yeux et prier. Seigneur Jésus, tu connais le cœur de chaque enfant qui prie maintenant avec moi. Tu connais la situation de chacun, Seigneur. Et je te prie maintenant que tu puisses agir. Que tu puisses accomplir des miracles pour les situations pour lesquelles chaque enfant est en train de prier en ce moment. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant. À toi, rien n'est impossible. Je prie pour des solutions aux problèmes. Je prie pour les guérissons. Je prie pour que tu agisses, Seigneur. Agis. Accomplis des miracles dans la vie de chaque enfant. Et qu'ils sachent que les miracles, ils viennent de toi, Papa. Merci, Jésus. Voilà, les amis. J'espère que vous avez passé un chouette moment. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!
Ha 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 ha.